Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour la confrontation entre le Renault Kangoo, que tout le monde connaît déjà, et le dernier né d'Opel, le Combo Life. Le Combo existait déjà avant, alors il s'agissait du cousin technique du Fiat Autoblo. Désormais rachat d'Opel par PSA oblige, il s'agit du cousin technique du Citroën Berlingo et du dernier Peugeot Rifter. Au niveau look, le Combo Life reste assez sage, mais en tout cas il rentre bien dans la famille Opel et on a un avant qui est quand même assez massif. Et pour le reste, ça reste quand même très attaché Ludospace avec des flancs très droits et un hayon très vertical. Donc même remarque pour le Kangoo, qui a des flancs quand même assez cubiques, néanmoins son restylage de 2013 lui permet de rester dans le coup parce qu'il est quand même assez vieux, il est né en 2008. Bon alors de toute façon, on n'achète pas un Ludospace pour son style, mais plutôt pour son intérieur. Donc là, on est à bord du Combo. Alors déjà, on a affaire à une planche de bord qui est quand même très moderne. On a un grand écran tactile de 8 pouces qui sera de série uniquement sur la version sur la finition Innovation. On a également une grande console centrale qui est assez imposante, mais le truc c'est qu'elle regorge d'un grand rangement très profond, donc ça c'est très pratique. On a également une bonne position de conduite, on est bien installé à bord. Et puis grâce à la nouvelle plateforme avec PSA, on a plein d'équipements. Alors du coup, il me faut mon anti-sèche. Donc on a l'affichage tête haute, la détection des piétons avec freinage d'urgence automatique, la lecture des panneaux, l'aide au maintien dans la voie, le régulateur adaptatif, l'alerte de fatigue, le contrôle de stabilité de l'attelage, la caméra de recul ou encore le parc assist. Alors bien sûr, tous ces équipements ne seront pas de série, soit en série ou en option suivant les finitions. Alors à bord du Kangoo, c'est tout de même différent, il a du mal à dissimuler ses rides, hein. C'est vrai qu'il a tout de même 10 ans. Donc on a une planche de bord qui est un peu moins moderne, on a moins d'équipements technologiques, on n'a pas d'affichage tête haute, on n'a pas de régulateur de vitesse adaptatif. Bon, en revanche, on a tout de même le GPS, la caméra de recul, on a pas mal de rangements, hein. On a un grand rangement ici, on en a un peu ici, des contre-portes assez logeable. Et bon, le dernier point, c'est la position de conduite hein, qui est moins bonne. On a un volant qui est un peu plus horizontal. Voilà, on est quand même un peu moins bien installé au volant du Kangoo. Alors, si on achète un Ludospace, c'est pour avoir beaucoup d'espace à bord. Donc, dans Combo Life, le contrat est rempli. On a de la place pour les jambes, on a de la place pour la tête, pour la largeur aussi. Alors aussi, le point positif, c'est qu'on a trois sièges individuels, deux séries uniquement sur la finition haute innovation. On a également des vitres électriques coulissantes et pas entrebâillantes. Donc on a exactement la même chose dans le Kangoo, des vitres coulissantes. Et globalement, on est plutôt bien assis. On a pas mal de rangements. On a un pont ici qui peut être éclairé où on peut caler des petits objets. Donc c'est positif. À bord du Kangoo, c'est comme dans le Combo Life. On est bien installé, on a beaucoup d'espace pour les jambes, pour la tête. En largeur aussi, on est plutôt bien. La seule différence et le petit regret, c'est qu'on n'a pas de siège individuel, mais une banquette de tiers à tiers. Pour le reste, on a également droit aux tablettes, au rangement de capucine. Donc le bilan est aussi positif. Ce que recherchent les familles également avec ce type de véhicule, c'est un grand coffre. Alors là, pas de problème, on est servi, puisqu'il cube de 775 litres en configuration 5 places et jusqu'à 3000 litres quand tout est rabattu. Et puis on a des petits aspects pratiques sympas, comme ce rangement juste là, ou encore la banquette qui peut se rabattre et former un plancher plat via cette manette. Alors le coffre du Renault Kangoo est moins généreux puisque son volume varie de 660 à 2600 litres. Alors ici c'est une configuration avec des portes battantes, c'est une option, on peut avoir le grand volet comme le Combo Life. Enfin on a moins d'aspect pratique, on n'a pas de rangement ici au niveau du pavillon, ni la manette pour rabattre le dossier. Le Renault Kangoo profite toujours d'un vaste espace à bord, mais il se fait distancer à cause de son ancienneté. Il peut lutter face à l'Opel Combo Life à cause de ses équipements technologiques et également de sa présentation qui est beaucoup plus moderne. Alors reste encore une question de taille, celle des tarifs. Donc ils seront communiqués en mai prochain. On retrouvera le Combo Life en concession à partir de septembre. Et il proposera deux moteurs à essence, trois moteurs diesel et la boîte automatique à 8 rapports sera également de la partie. Enfin, le Renault Kangoo est disponible avec 4 finitions et 4 moteurs, 1 essence et 3 diesel,
La boîte automatique EDC est également de la partie. Quant à ses tarifs, ils varient de 20 350 euros à 25 750 euros. A bientôt sur l'Argus.fr.